J'ai été empoisonnée par du gadolinium en février 2021 lors d'une IRM que j'ai reçue en milieu hospitalier, durant laquelle on nous injecte un produit de contraste à base de gadolinium qui est un métal lourd, hautement toxique. After an MRI, some people develop health problems, which, according to experts, is an immune response to the gadolinium-based contrast retained in their body. Je fais cette démarche médiatique pour obtenir de l'aide financière pour me soigner, mais aussi beaucoup pour sensibiliser les gens aux risques associés au gadolinium. Je sais que c'est difficile de faire le lien. Marie-Noëlle fell seriously ill in the weeks following her MRI. She started having severe symptoms that disabled her completely, and she developed what is called gadolinium deposition disease. J'ai développé une constellation de symptômes. J'avais des brûlures sévères de la peau, avec une sensation de milliers d'aiguilles qui rentraient dans mes organes. J'ai été alitée pendant un an de temps à souffrir carrément le martyre. C'est des douleurs indescriptibles et incompréhensibles pour le commun des mortels. J'ai marché avec une canne. J'avais de l'instabilité articulaire, des problèmes de motricité, des spasmes musculaires. Je me suis retrouvée en chaise roulante pour aller à des rendez-vous médicaux. J'avais besoin que quelqu'un effectue mes tâches de base, que j'ai encore de la difficulté à réaliser seule. J'ai des douleurs osseuses et articulaires intenses qui persistent et un handicap à mes bras au niveau des épaules où j'ai senti le métal se déposer. J'ai aussi des problèmes digestifs, des troubles cognitifs et je suis devenue extrêmement hypersensible. Je réagis à tout. Même aux aliments et à l'eau. Je m'hydrate par intraveineuse avec un cathéter. J'ai été en errance médicale pendant un an et je suis retournée souvent dans le système pour essayer d'obtenir de l'aide. Quand on ne parvient pas à faire un diagnostic, on a tendance à émettre l'hypothèse que c'est un problème psychosomatique. C'est pour surprise d'apprendre notre conclusion, savoir que vous présentez malheureusement l'hypopsychotique. Un trouble délirant somatique. Tu sais, j'étais mal en point chez nous, mais là, je suis carrément. Ben, tu sais, il faudrait peut-être penser aux électrochocs, là, rendu. À partir du moment que le médecin dit que c'est psychosomatique, ayant beaucoup de crédibilité, l'entourage peut être tenté de croire ça et finalement donner beaucoup moins d'aide. Dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. Un an plus tard, j'ai été mis en contact avec une jeune femme décrivant des symptômes similaires qui m'a mis sur la piste du gadolinium. Je m'appelle Sonia, je suis atteinte d'encéphalomyélite myalgique sévère à cause d'une très longue exposition aux moisissures dans ma jeunesse. Et puis en 2020, j'avais des symptômes d'acromégalie qui sont devenus très évidents. Pour en connaître la cause, j'ai passé un IRM avec contraste. J'ai eu une réaction immédiate et brutale au contraste. Ça a rendu ma condition encore plus grave. Je suis beaucoup plus hypersensible à l'environnement. Et puis l'acromégalie, qui était lente et indolente, est devenue agressive et extraordinairement douloureuse. Elle m'a dirigée vers un site. J'ai été comme choquée de lire mon histoire décrite par des milliers de personnes. Là, j'ai compris que c'était une condition sévère puis que j'aurais la difficulté à obtenir des traitements au Québec. Unfortunately, in Quebec, the practice of integrative and functional medicine is very restricted, so Marie-Noëlle cannot access proper care for her condition. J'ai décidé d'aller aux États-Unis pour obtenir de l'aide. Je me suis dirigée vers un médecin de famille dans le Maine qui a une expertise en chélation pour essayer de retirer ce métal-là de mon corps et suivre le protocole d'un médecin radiologiste qui a plus de 25 ans d'expérience et qui fait de la recherche sur la maladie de dépôt de gadolinium. Marie-Noëlle was injected with one of the most toxic and difficult to eliminate types of gadolinium. After 2 years out of breath, she finally received an official diagnosis in Quebec, but still doesn't have adequate medical follow-up and enough money for treatments. Malgré mon handicap au bras, j'ai continué de peindre. J'ai organisé un encan en ligne sur lequel je vends des toiles que j'ai créées et des reproductions de celles-ci.
Je vous invite à consulter mon Facebook pour y accéder. J'aimerais beaucoup retrouver une qualité de vie, pouvoir refaire mes plus grandes passions. Mon rêve serait de produire des reportages comme celui-ci pour aider d'autres personnes dans le besoin qui sont victimes d'empoisonnement chronique. Today, Mary Noelle needs your help. You may donate through her GoFundMe page or PayPal.